Nous, les musulmans de la ville, on a notre quartier qui s'appelle Popoto. Et maintenant, Popoto est presque détruit. Vous pouvez compter la maison qu'ils n'ont pas encore détruite. Pendant la prière, on fait la sensibilisation. Par exemple, le vendredi, l'évêque vient chez nous à la mosquée, il parle. Et puis le dimanche, nous, on part à l'église, dans les églises, pour parler aux gens que ce n'est pas conflit religieux. On a vécu pendant longtemps, pendant décennies même, on n'a pas eu ce problème entre nous. Mais pourquoi faire ce problème? Lorsque les Antibalakans nous ont attaqués, je me suis dirigé vers l'évêché ici. C'est comme si nous sommes dans une prison. Notre espoir, c'est sortir et participer à la développement de notre pays.